Encore un grand merci à Joachim Duchaud, Pascal Holman, New Quartet. C'était vraiment un excellent concert et on va, comme la coutume nous fait faire chaque concert, avoir une petite conversation avec les musiciens. Alors peut-être, je vais inviter les musiciens à revenir un peu sur le devant de la scène. C'est une question de se cadrer dans l'image, hein. C'est pas une question, ça va faire un peu de déménagement, mais ça fait bouger un peu l'image, c'est bien, quoi. Donc vous aurez ce micro là pour répondre, et puis moi je vais me mettre sur le côté par là, comme ça sera bien. Enfin, on s'installe, quoi, c'est comme à la maison, quoi. ma première question, elle est, on s'est rencontrés effectivement, c'était cet été, en début juillet, un festival qui avait lieu à Thionville, c'était le Jazzpot. Et le nom du groupe a légèrement évolué. C'était Joachim donc Duchaud Quartet. C'est devenu Duchaud Holman New Quartet. Non, c'était déjà ça peut-être. C'était déjà ça. Oui. Ouais, je pense que c'était au moment de la programmation. Ils avaient un peu écourté votre nom. En fait, c'est parce que Pascal et moi, on a commencé à jouer d'abord en duo, que piano et guitare. Et on s'est vite rendu compte que ce sera encore meilleur d'ajouter une groupe rythmique. Et c'est pour ça que c'est un peu venu après. Mais pour nous, c'est très, très super, agréable de jouer avec des thèmes. Ah, vous avez une excellente section rythmique. Ouais. Rappelle-nous leur nom. C'est Dominique Lawa et Frank Althaus. D'accord. Qui sont tous les deux originaires aussi de Saarland? Oui, nous venons tous du Saarland, oui. D'accord. Environ Saarbrücken. Alors, à l'époque du festival de Thionville, Jazzpot, vous aviez un album que vous m'aviez laissé, que j'ai passé dans le cadre de l'émission donc Jazz on Air Radio. Et là, c'était un album duo, quoi. Et maintenant, vous m'avez dit que vous travaillez sur un nouvel album. Alors, j'aimerais bien avoir des précisions sur cet album. Qui compose cet album, les morceaux? Nous deux, Jochen et moi. Et oui, composer, c'est-à-dire on porte les idées pour la musique dans la salle. Ouais, où on fait de la musique et les titres, oui, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire que si je résume, on va le dire en français, c'est compliqué, on va le dire en anglais. Ça veut dire que Joachim et toi, vous avez la base de la composition d'un morceau, mais elle n'est jamais définitive. Quand vous retrouvez vos amis de la section rythmique, vous faites évoluer le morceau ensemble, quoi. Oui, si j'ai bien compris. Il faut voir si ça fonctionne, c'est ça. D'accord. Et cet album, il est prévu pour quand? Bon, nous allons au studio mi-janvier. Ah, c'est pour bientôt. Oui, bien sûr. Et puis on verra le temps que ça va prendre de mastering et tout cela. Mais on espère qu'on est prêt vers fin mars, quelque chose, on verra. Et vous êtes parti sur l'idée, ce sera au départ un album autoproduit ou vous avez déjà été contacté par un label pour la distribution? Non, c'est un album qu'on produit nous-mêmes, oui. Mais nous allons dans le studio où nous avons enregistré l'album duo. Et déjà, Pascal y était avant, donc on se sent à l'aise. Et l'ingénieur qui l'enregistre. L'ingénieur du son. Oui. On est très content avec lui. Il met ses efforts dedans et il a des idées, donc c'est un peu comme un producteur, mais un tout petit peu. Mais d'abord, c'est nous-mêmes qui le font. Et je suppose cet album, bah, vous, quand vous l'aurez enregistré, vous nous l'enverrez. Et ce qu'on bien peut sûr faire aussi, on le passera bien sûr dans l'émission radio, puisque faut rappeler qu'il y a deux pendants, il y a Nancy Web Radio, pardon, et Nancy Web TV, et que Jazz on Air est diffusé dans les deux, une partie image, une partie son. Et donc, c'est aussi l'occasion de faire la promotion des nouveaux disques et surtout des gens qui sont passés par le studio TV. Et on peut souhaiter, et je pense que vous le souhaitez aussi, c'est que, pourquoi pas, un distributeur ou un label soit intéressé pour prendre votre album, non?
Ah bon, on verra, on sera content de, d'avoir une distribution un peu plus loin, plus allongée. Mais bon, on verra. Comme ça, on est très content d'avoir des contacts en France, ici, Nancy, Thionville, pour un peu agrandir le radius dans lequel on joue. On rencontre des gens nouveaux, il y a toujours quelque chose qui s'évolue. Donc voilà, on est dans, sur ce pas. Bah, nous aussi, parce qu'on nous parle, nous en France, de notre côté, mais je suppose que pour vous c'est pareil. On nous parle toujours de grandes régions, grosses régions, mais on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors effectivement, si au moins il pouvait se passer quelque chose en musique et qu'il y ait des relations et des échanges qui puissent se faire entre la Lorraine, la Saarland, le Luxembourg, et tout ça, ça serait bien. Il s'en fait déjà, hein, mais bon, on pourrait dire qu'on en attend plus d'une Europe qui soit plus musicale qu'économique, entre guillemets. Ça, c'est un point de vue personnel. Et donc, on va revenir sur l'origine du quartet. Donc, au départ, deux musiciens, donc Joachim et Pascal. Donc, vous vous connaissez. Et comment vous avez démarré votre collaboration tous les deux déjà? Nous deux? Oui. En fait, on s'est rencontrés il y a quelques ans dans un groupe soul. Ah ouais. Où moi j'ai joué et l'organiste a quitté le groupe. Et Pascal est venu pour le remplacer pour les derniers gigs. Et déjà, le batteur me disait, attends, tu vas aimer ce mec-là. Et c'était le cas. Et ce groupe n'existe plus depuis longtemps, mais nous jouons ensemble. Comme quoi, hein, des fois, c'est le contraire. On commence par la soul et on termine par le jazz. C'est ça, ouais. Ah, vous avez des bases, vous avez beaucoup joué ensemble. Et je suppose que vous avez des influences musicales, peut-être soul ou... peut-être plus simplement en jazz, c'est quoi vos influences musicales? Un pianiste, il en a toujours, quoi. La musique classique. La musique classique? Oui, à quelque part. D'accord. Peut-être. Et le jazz, oui. En général, moi, quoi. Moi, j'aime bien improviser, parce D'accord. que ça, c'est la communication musicale. Et c'est ça, le jazz et les gens. Et ce n'est pas seulement les notes, mais les... Passer le temps ensemble et on s'aime bien, donc ça marche bien avec la musique. Et Joachim, lui, il avait des guitaristes dans sa jeunesse ou même encore maintenant qui l'ont influencé ou qu'il aime toujours bien écouter, quoi. Le premier, c'était Carlos Santana. À cet âge-là, j'ai joué ce style de musique. Et puis, c'était Pat Metheny et ça reste. Mais c'est encore Carlos Santana, encore, bien sûr. Et il t'arrive de temps en temps, comme ça, pour t'amuser, de refaire de la soul ou quelque chose Santana, donc c'est rarement, fini. Rarement, on a des concerts invités. Si veut, il y a un musicien qui vient et dit, bon, j'ai un job à jouer et il leur faut une groupe qui fait un peu de musique, de danse, si tu veux. Ouais. Et parfois, on se rejoint pour faire ça, mais pas régulièrement. D'accord. Et nos amis de la section rythmique, alors, qu'est-ce qu'ils avaient, le contrebassiste, comme influence, lui? Influences. C'est jazz, c'est classique, c'est musique pour les enfants, c'est tout. et avant de rejoindre donc le duo, puisqu'on peut dire que c'était un duo au départ, tu jouais déjà dans un autre groupe ou tu jouais une autre musique? Oui, j'ai joué dans des groupes avec big band jazz. Ah oui. Classique, pas du tout. D'accord. Et puis pour la batterie, je crois que c'est Dominique. Alors je retiens bien les prénoms français, parce que, enfin français, on dit francisé, on va dire. Toi, tu avais des influences au niveau batteur? Musicalement. Mit Rock, mit Deutsch. Okay. Ouais, Deutsch. Mit Rock angefangen. J'ai Punk Rock gemacht mit 15. Oh, also. Punk Rock. Ja, Punk carrément. Rock. Hein. Ja. Dann, ja, und dann immer mehr in den Jazz reingekommen. Zu Jam Sessions gegangen und irgendwann lernt man die Leute, mit denen man so spielen mag. Findet man die da. Il a commencé avec le rock, hard rock, punk rock, et puis il a commencé avec le jazz et il a rencontré de plus en plus des gens venant sur des sessions et puis ça se met ensemble et c'est comme ça qu'on s'est rejoint. On a tous joué dans des groupes ensemble avec d'autres personnes. Mais
c'était pour moi c'était assez évident que à un point j'aimerais bien mettre ces mecs ensemble. Et Saarbrücken, il commence à y avoir, enfin je pense qu'elle existe peut-être depuis déjà longtemps, une scène jazz. On a accueilli il y a très peu de temps un groupe qui s'appelle Turtur, un nouveau groupe. Et puis on a eu Oliver Stroh, ben, lui c'est un maître, hein, il est venu jouer. C'est-à-dire c'est le premier concert de jazz qu'on a fait ici, c'était avec lui, Soul Station. Et puis je connais aussi très bien Gerd Ruby, qui est un très grand pianiste, assez free, et qui s'occupe d'un label qui s'appelle Jazz House à Cologne. Il nous envoie régulièrement d'ailleurs toutes les sorties qu'on ne manque pas de passer dans l'émission. Je suppose qu'il y a aussi d'autres groupes, et c'est assez prolifique, le jazz en Saarland. Oui, il y a pas mal de groupes, surtout comme il y a l'université de jazz. Ah, il y a une université de jazz, musique, il y a un département de jazz. Département de jazz. Donc il y a assez de jeunes qui sont bien et qui s'entraînent fort. Il y a de plus en plus des scènes, des sessions, mais ce n'est pas encore assez. Il faudra avoir plus. Alors au niveau du live, c'est vrai que bon, j'aime bien un peu voyager, moi. Donc je suis allé beaucoup moins en ce moment parce qu'il y a beaucoup trop de choses au Luxembourg. Je suis trop près et ils font venir d'énormes pointures. Alors je suis un peu tenté puisque je suis invité, on fait la promo ici à la télé, à la radio, d'aller voir comme Wayne Shorter qui est venu il y a 15 jours. Mais j'aimais bien, mais je vais y retourner, hein, c'est pas fini. Aller par exemple à Ellingen, il y a une belle scène de jazz, pas régulière, mais un concert peut-être par mois. Et les scènes à Saarbrücken, il n'y en a pas énormément, à part le festival voilà, s'est déroulé voilà. Ces dernières semaines. Il y a l'hôtel domicile aussi qui faisait des concerts. Il y avait 10, je crois, cette séance-là, ouais. 10 concerts. J'avais été l'année dernière, mais je n'ai pas pu cette année. Ouais. Le problème du festival de Saarbrücken, c'est qu'il est étalé sur beaucoup de jours. Oui. Et pour quelqu'un qui habite comme moi à 150 km de Saarbrücken, on ne peut pas tous les jours faire l'aller-retour, ou alors il faut prendre un hôtel régulier pendant 10 jours pour voir tous les concerts. Quoi. Même si on est invité, quoi, ça fait long. Quoi. C'est l'inconvénient. Et puis il y a aussi un festival à Saint-Vandel aussi. Oui. Vous avez déjà joué tous ces festivals-là, peut-être pas? Non, pas encore. On a joué en collaboration avec le Jazz Transfer qui font le festival à Saarbrücken, mais pas au festival même. Et aussi Saint-Vandel. Mais bon, ils invitent plutôt les professionnels, les stars internationales. Donc, on y travaille, mais on verra. Je pense que là, vous avez une musique bien prête, bien arrivée. Si quelques-uns nous regardent, c'est vrai que faut inviter. Parce que nous aussi, le principe de ce studio télé et radio, c'est qu'on invite des gens à l'international. Mais on ne peut pas ignorer la scène locale. Donc, par exemple, demain, on aura un groupe local qui viendra dans un genre musical différent. Mais on essaie aussi de faire vivre le local. Quoi. Alors, on va se quitter en parlant de l'avenir. L'avenir, bon, c'est ce CD. Hein. Donc, moi, je l'attends impatiemment parce oui, que j'ai sûr. Beaucoup aimé ce que vous avez fait. Donc, ça sera avec un grand plaisir qu'il... sera diffusé, il sera même disque de la semaine. Alors le principe pour ceux qui veulent écouter l'émission Jazz on Air, elle est diffusée tous les jours sur Nancy Web Radio et l'émission est diffusée à une heure différente, donc c'est l'intérêt. Là on est en train d'opérer un rapprochement avec des radios même on va dire sur la périphérie, sur Luxembourg, voire la Belgique, donc ça augmente encore en plus du web, puisque le web, il est international, mais les radios hertziennes, on a des partenariats déjà avec elles, donc c'est intéressant aussi, parce qu'il y a des gens qui aiment bien aussi écouter les vraies, entre guillemets, radios, parce qu'on ne va pas dire qu'on a une fausse radio, sinon on est en train de se tuer, là. Mais ils sont restés nostalgiques de ce type de radio, et les deux cohabitent très bien ensemble, quoi. Et puis, il y a la partie scénique. Alors, est-ce que vous avez des projets scéniques de jouer des concerts? En fait, on n'a pas de grands projets maintenant parce qu'on s'est vraiment focusé sur ce travail au studio. Et on voulait conclure ça d'abord pour l'avoir avec nous quand nous montons sur scène. Parce que vous avez fait un énorme travail. Moi, je vous ai vu, c'était début juillet.
Nous sommes début décembre. En 5 mois, j'ai trouvé, là, vous avez des morceaux hyper aboutis. Je ne pense pas que vous les ayez tous joués à Thionville, ou tout du moins... Non, pas du tout. Et donc, c'est vrai que ça représente... Vous avez dû travailler dur. Et vous avez une salle de répétition, un studio, un endroit pour travailler. Nous avons une salle de répétition. C'est chez lui, à la maison. Et c'est une belle pièce, donc c'est très agréable. Et il y a un grand piano, donc pour le son, c'est super. Ah oui, non, ça c'est l'idéal. Oui, ouais, c'est l'idéal. Donc on va se quitter donc avec ce magnifique concert. Alors, on se retrouvera, d'ailleurs le concert, vous allez le retrouver, hein, vous allez le retrouver la semaine prochaine à partir de mercredi, minimum peut-être mardi, mais mercredi on va dire, donc sur le web, et vous pourrez le podcaster. Et puis, on en passera aussi des extraits dans la boucle. Et puis, bien sûr, le CD. Moi, je pourrais aussi le repasser dans l'émission audio de Jazz On Air. Donc, ça fera un peu de publicité avant l'arrivée de votre album. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, avant de se quitter, je vais vous donner 2-3 infos. La fin de l'année arrive. C'est vrai que c'est une tradition française. Hein. Entre le 20 décembre et le 20 janvier, il ne se passe pas beaucoup de choses en concert. C'est bien dommage parce que chez nos amis anglo-saxons, c'est là qu'il y a le plus de choses qui se passent. On ne sait pas pourquoi. Nous, on est restés très traditionnels dans ces époques de Noël et de fin d'année. Mais on a encore deux beaux rendez-vous. Donc demain, ne manquez pas le concert dans un autre genre musical. Donc on va accueillir le groupe Crossroads. Et donc, je serai là pour le présenter, ce groupe Crossroads. C'est un groupe, donc, lorrain. Alors, il ne faut pas confondre, parce qu'on a déjà accueilli un groupe Crossroads qui venait de Luxembourg. Et puis, il existe des groupes, un autre groupe, je le sais, puisque j'ai une émission de blues qui s'appelle Nothing But The Blues, un autre groupe français. Il y a aussi un groupe russe qui s'appelle Crossroads. Il y en a certainement beaucoup d'autres. Hein. Robert Johnson a beaucoup influencé au niveau du nom, le nom des groupes. Alors donc, demain, on ne sera pas dans vraiment une mouvance blues 100%. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris dans l'émission Nothing But The Blues. Mais on sera dans des reprises de compositions du rock des années 70. Ça vous rappellera votre jeunesse. Et puis, mercredi, si vous vous embêtez, allez faire un petit tour du côté de l'abbaye de Neumünster. On a un ami portugais là, qui est passé par notre studio il n'y a pas très longtemps, c'est la Tagouveia, qui organise des festivals Singer-Songwriter. Et là, il a un magnifique festival, donc le 14, à l'abbaye de Neumünster. Alors, petite information, Lata, actuellement, il est en train d'enregistrer 2 albums carrément, et il monte énormément en puissance, donc il n'est pas impossible qu'on le raccueillera dans le studio pour venir un peu nous jouer sa nouvelle musique. Et puis, on terminera la saison dimanche prochain. Alors là, c'est un groupe aussi que j'ai découvert. C'est ça, ainsi le bonheur d'aller sur les concerts. C'est un duo. Ils sont lorrains. Elles sont, puisque c'est 2 filles. Elles s'appellent Miss Side. Et en fait, elles font des compositions originales. Elles viendront dans le titre de Beat Goes On. Et elles sont influencées par... la folk music, donc ça va bien dans le beat goes on, dans la beat music. Et plutôt Kerouac années 50, on va dire, ils sont plus dans la mouvance Philox, Promy Dylan, John Baez, etc. Voire Waddy Guthrie. Donc moi, elles m'ont franchement bluffé parce qu'elles sont jeunes et elles ont vraiment un bel avenir devant eux, de belles compositions. Donc ne manquez pas ce concert la semaine prochaine. Donc ça sera le dernier de la saison. Et après, on se retrouvera autour du 13 ou 14 janvier, je ne connais plus la date par cœur, avec un groupe international qui viendra jouer du blues. Et on va se quitter aujourd'hui, bien sûr, il ne faut pas oublier l'équipe. Donc Pierrot était donc à l'image, on va le remercier parce que Pierrot, il a vraiment maintenant un côté professionnel incontournable. On ne peut plus se passer de lui. Donc j'espère qu'il n'a pas de prévision de prendre des vacances. Il ne peut plus prendre de vacances. C'est fini. Alain, c'est notre ingénieur du son. Il a un surnom, c'est Graham Nash. Mais bon, voilà. Et puis l'incontournable, c'est Claude, parce que sans Claude, rien n'existerait, Claude. Donc c'est lui qui entretient ce studio, c'est lui qui est responsable de tout. Et c'est surtout lui qui met tout en musique.
et qui, la semaine prochaine, va vous permettre d'aller podcaster ce magnifique concert. Donc à tous, et un grand remerciement encore à vous, encore une fois, pour ce très beau concert, et à tous, une bonne fin de journée, et puis rendez-vous demain autour de 16h pour Crossroads.